Dead Stranding. Le jeu est arrivé sur Xbox à 27$ plus taxes. Et franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Ce jeu a une aventure. Ce jeu a vraiment une aura, une patte. Je suis pas le plus grand fan d'Hideo Kojima. Sérieux, pour moi, Phantom Pain, pour moi, c'est... C'est un peu de la comédie, voilà, Mazukas de poulet, soldats russes, cons comme leurs pieds, vous avez compris un peu ce que je veux en venir. Et franchement, je n'attendais rien de ce jeu, à part être surpris, fait que je me suis dit, il arrive enfin sur Xbox, je vais l'essayer. Je l'ai essayé, je l'ai acheté à 27$, 30$, plus les taxes, et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette aventure, cette expérience, pour moi, qui est une expérience humaine avec Norman Reedus, l'acteur de Walking Dead, qui fait Daryl. Et pour ceux qui ont pas lu les comics comme moi, Daryl ne fait pas partie n'est pas dans les comics. C'est une invention qui a été créée par la série. Mais bref, je suis pas là pour parler non plus de Walking Dead. Franchement, je trouve le jeu d'acteur vraiment pas pire. Côté psychologie, je trouve le jeu vraiment bon dans qu'est-ce qu'il tente de raconter. Il y a un vrai cachet au niveau de l'histoire, puis c'est une histoire un peu plus intimiste, une histoire qui prend son temps, pour développer, surtout élaborer la psychologie même du personnage. Et franchement, j'ai bien aimé l'aventure. Pour moi, c'est une grosse aventure, vraiment. C'est une aventure qui est belle, qui est grosse, qui est longue et qui est belle. Une belle aventure. Sérieux, c'est une aventure humaine. Puis ça, c'est le genre de jeu que je dis au moins, faut faire une fois dans sa vie, une aventure de même. Faut surtout aimer marcher. Pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre un peu inaccessible, car certains vont, comme moi, vont adorer leur expérience. Il y en a d'autres qui vont détester. C'est clair, si vous aimez pas marcher, si vous aimez pas si vous aimez pas vous péter la gueule, parce que des fois, tu te pètes la gueule souvent. Si t'aimes pas attendre les bébés pleurer, oui, parce que des fois, t'as un bébé qui pleure tout le temps, faut que tu consoles tout le temps. Et surtout, si t'aimes pas la livraison pis les quêtes FedEx, ne joue pas à ça. Vous allez détester votre expérience. Franchement, c'est un jeu, franchement, que j'ai bien aimé. Franchement, c'est un jeu qui a pas mal divisé. Pas mal de monde ont adoré. Pas mal de monde ont détesté. Et pour moi, c'est ça qui fait la force d'une œuvre. Parce que pour moi, un chef-d'œuvre est un jeu t'aimes ou que t'aimes pas. Pour moi, un jeu qui met tout le monde d'accord, ça n'existe pas. Franchement, j'ai bien aimé l'univers, le character design. Les seuls trucs que je tiens à dire, Hideo Kojima, la prochaine fois que tu nous fais un jeu de même, s'il te plaît, assure-toi que le Quick Resume soit correct, ça serait gentil. Oui, parce que le Quick Resume était buggé. Le Quick Resume était buggé, mais à part de ça, j'ai rien à dire. Ça a été patché, mais vite fait. Ça a même pas pris une semaine, c'était patché. Ça a pris genre 2-3 jours, c'était patché. J'ai rien à dire de ce côté-là, franchement. Pour moi, honnêtement, ce jeu a une patte artistique, a un univers qui est riche et qui est fort. Côté graphique, le monde disait « Ouais, c'est le plus beau jeu ever. » Le jeu, il est beau. Mais « Plus beau jeu ever. » Faut pas beurrer trop épais sur le pain, parce qu'à un moment donné, le pain, si tu beurres trop épais dessus, là, tu vas faire des trous dans le pain. Fait que, mais à part de ça, j'ai trouvé le jeu excellent. Pas de graphique, c'est correct. Il y en a qui vantent. Ouais, côté graphique, c'est le même moteur graphique qu'Horizon Zero Dawn. Fait que le jeu, c'est le plus beau jeu ever. Encore là avec, comme je dis toujours, faut pas beurrer épais, franchement. T'as le droit, vous avez le droit d'avoir aimé graphiquement Horizon Zero Dawn.
Mais désolé, il y a mieux, franchement. Honnêtement, il y a mieux en termes de graphique, franchement. Red Dead Redemption 2, exemple, très bien montré, franchement. Mais à part de ça, côté graphique, le jeu était écœurant. L'histoire est bonne, l'univers est prenante. Puis la touche humaine, le human touch du jeu est vraiment excellente, franchement. J'ai rien à dire sur ça. C'était Gizmo64 pour mon avis sur Death Stranding, un avis à chaud. J'ai terminé le jeu au moment que je vous fais cette vidéo. Et je note, si je note à y donner, écoute, si je note à y donner, pour moi, ça sera un gros. Ça sera une note de 10, sur une note de 20, ça sera un gros. Un gros 18 sur 20. Le jeu est pas pire. Il y a des trucs qui me dérangeaient, puis là, je vais aller des trucs qui me dérangeaient. Le Quick Resume m'a dérangé. Premièrement, le bug du Quick Resume, je trouve ça scandaleux qu'on nous sorte un jeu de la PS5 pour nous le foutre sur Xbox avec un Quick Resume aux fraises. Ça, vraiment, je trouve ça ridicule. Vraiment, pour moi, en même temps, ça explique pourquoi que le jeu était pas cher. Le jeu il était 27$ parce que, franchement, le Quick Resume il était buggé. Je trouve ça, oui, qu'en fait, que vous Quick Resumez le jeu, vous pouviez plus sauvegarder. C'est bien. C'est bien. Fait que franchement, de ce côté-là, je trouve ça ridicule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je trouve ça vraiment idiot. Franchement, un autre truc vraiment qui m'a un peu dérangé sur le jeu, un matin, sans spoiler, un matin, ton personnage est sur une plage, puis il y a un générique qui défile. Fait que là, t'es là comme un con à marcher. En attendant que le générique défile, puis surtout fallait que t'attendes que le générique défile. Ça, j'ai trouvé ça vraiment épais un peu. Oui, c'est la mise en scène puis tout, mais le jeu te fout deux fois le générique. Je sais pas si vous comprenez. Avant la fin, vous avez une scène où ce que vous marchez sur une plage, puis il y a le générique qui défile. Puis à la fin du jeu, t'as le générique qui défile. Non, mais une fois le générique, faut pas abuser non plus. Hideo Kojima non plus, tout de même, hein, c'est comme ton nom. Tu mets ton nom trois fois dans le jeu, le générique, tu vas pas le mettre trois fois non plus. À un moment donné, il est long le générique, je veux pas dire, mais il y a du monde à la messe. D'autres trucs qui me dérangent, d'autres trucs qui m'ont un peu dérangé, je trouve qu'il y avait peut-être un peu de chapitres en trop. Il y a des chapitres qui sont longs, mais il y en a d'autres qui sont courts. Il y a un chapitre, exemple. Et sans spoiler, t'as un chapitre qui consiste à t'échapper d'un champ de bataille. Ouais. T'as même un autre chapitre qui consiste, exemple, à battre un boss. T'aurais pu mettre ça, t'aurais pu mettre ces chapitres-là, ces chapitres de même qui sont courts, t'aurais pu les combiner avec un autre chapitre pour faire un peu plus long. Franchement, je trouvais que ça aurait été mieux, franchement. Mais à part de ça, ce n'est que mon avis. À part de ça, je trouve que le jeu sur le fond est excellent. Sur la forme, il est excellent aussi. Vraiment, le jeu a une touche humaine. Et quand tu te promènes pour livrer des colis, puis à un moment donné, t'as la musique qui joue en arrière-plan pour qui vient camoufler la solitude que tu ressens tout au long de l'aventure. C'est juste magnifique. Ça se marie bien avec le paysage. Franchement, j'ai adoré de ce côté-là, franchement. Malheureusement, je trouve au niveau de l'écriture, tu as des chapitres un peu plus courts qui auraient mérité d'être un petit peu plus longs. Ce n'est que mon avis. Puis à part le Quick Resume qui était buggé, mais qui a été très vite pour le corriger. Fait que pour moi, ça ne déroge pas à ma note. Je donne la note de 18 sur 20. Et sur la note de 10, sur une note de 10, je vais mettre. Sur une note de 10, je vais mettre un gros 8 sur 10. Franchement, j'ai rien à dire. Le jeu est excellent. Les motos sont une plaie à conduire. Non, mais les motos, c'est ridicule. Franchement, il y a même un chapitre où tu as fait le tour de la map. Puis là, il y a un chapitre. Puis ça, pour moi, c'est le chapitre le plus ridicule, le plus éclaté au sol. Exemple, un mané. T'as été à l'autre bout. Fait que là, le chapitre consiste à revenir sur tes pas. Yeah! Tu t'es fait chier à aller à l'autre bout. Fait que là, faut que tu reviennes sur tes pas. Ouais. Faut que tu te retapes 800 km. C'est vraiment. Pour moi, j'ai trouvé que c'était du foutage de gueule. Vraiment, c'est wow. C'est comme chapitre. Wow, non, mais. Sérieux, c'est un chapitre qui faisait un peu remplissage, je trouvais. Mais à part de ça, j'ai rien à dire. Pour moi, Death Stranding est un bon jeu.
27$, franchement. Mais c'est un jeu qui, pour moi, qui suffit à lui-même. Hâte de voir la suite, mais pour moi, je trouve que ça suffit à lui-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et c'est qu'un abonnement à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, c'était Gizmo34 pour mon avis sur le jeu Death Stranding. Mon coup de cœur cette année, je le dis, mon coup de cœur cette année. Pour moi, cette année, c'est mon GOTY. Je m'en sac qu'il est sorti il y a 5 ans. Pour moi, cette année, c'est mon GOTY parce que c'est cette année qu'il est sorti sur Xbox et j'ai pu y jouer, franchement. Et pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre à faire au moins une fois dans sa vie. Sur ça, c'était Gizmo34. Vous, si vous avez joué à Death Stranding, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, that's it. Voilà. Si vous voulez jouer, faites-vous votre propre avis. Franchement, si vous êtes fan d'Hideo Kojima, vous allez pas être perdu. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'était Gizmo. Allez, ciao tout le monde.